Un discours. Bon, je sais qu'il faut commencer chaque discours avec un truc un peu drôle. Bah, c'est un vrai film culte, c'est-à-dire c'est un film que les gens qui l'aiment, ils l'ont vu 12 fois, qui est bizarre, qui a des maladresses, qui est très libre, qui ressemble à rien d'autre, c'est un film culte, oui, moi c'est moi qui l'ai mis, film culte. Maman, je vous en prête votre fourchette un instant, ce ne sera pas long. C'est un vrai film avec un scénario. C'est ni une blague, ni un truc de potache, ni la continuation de vinage. Non, c'est un film. C'est avec une histoire, avec des choses qui arrivent aux gens, des gens qui traversent des humeurs, des états, qui sont différents à la fin de ce qu'ils étaient au début, qui vivent des expériences. Vous allez être nombreux? On va être 5, 6. Il y aura des enfants parce que maman adore les enfants. Tenez. Non, il n'y a pas d'enfants, on vient travailler. Et les autres, c'est votre bande de rigolos, là? Maman apprécie beaucoup votre humour. Merci beaucoup. Le combat d'avoir choisi la DV pour ce film est esthétique. Non, c'est une question de commodité. C'est un outil qui s'appliquait bien à ce genre de film dans le côté home vidéo. Elle est bonne. Oh là là. Ah oui, elle est vraiment bonne. Je comprends pas bien. J'ai loué une maison avec piscine, moi. Bon, elle est là, la piscine. Vous savez, depuis 10 ans qu'on habite à côté, j'ai dû l'avoir pleine. Pleine d'eau, 2-3 fois à grand max. Hein. J'ai pas le cul du cinéma en tant que cinéma, j'aime les films. Je trouve qu'à la télévision, il y a une concentration qui est différente. Et c'est tout. Puis il y a l'expérience collective de la salle de cinéma. Donc il y a plein de paramètres comme ça. Mais qui là, m'importe pas. Pour un réalisateur, le cinéma, c'est une liberté différente par rapport au fait de faire un film de télévision. Puis c'est un objet, ce qu'on n'est pas un film de télévision. Donc c'est un mouvement qui peut. On peut se balader dans le monde avec, et puis ça dure dans le temps. C'est joli que ce soit un objet. Moi, j'aime bien d'ailleurs le DVD, le voir là. Elle est où l'eau? Où elle est l'eau de la piscine? Ah, bah, y a des suppléments, y a des tas de cadeaux. Ouais. C'est tout cadeau, c'est tout bonheur, c'est toute gentillesse. C'est secret. Les fameux making-of, le clip plus un légendaire. Feuilleton de 26 minutes tourné au Portugal avec Patrick Mille dans le rôle de Chico. C'est une sorte de grand film d'espionnage. J'appelle Chico, notre agent à Lisbonne, où il résout des problèmes au Portugal au volant d'une voiture pour enfants jaune. C'est pour toi, le jeune, bien entendu. Il a des armes, il a un revolver, il a des trucs à James Bond. Il a un livre torche, un livre qui est incrusté dedans, il y a une lampe électrique. Ce qui est bien commode. Mais par contre, on ne peut pas lire ce livre avec cette lampe électrique parce qu'elle est orientée ailleurs. Et puis alors, il a un agent de liaison. Qui est un peu comme M ou dans James Bond, qui est joué par Francis Van Lichtenborg, qui joue un Bostella aussi, et qui lui se déguise à chaque fois pour faire plus couleur locale. Donc une fois il était en poule géante, une fois en pêcheur, une fois en petit écolier, et à chaque fois l'agent secret Chico ne le reconnaît pas. Ah ouais. Mais je n'en dirai pas plus, car c'est une intrigue assez compliquée, vous ne serez pas déçus. Le méchant, c'est Jean-Michel Lamy. Alors merci beaucoup. Moi, je pars, je suis furieux. La dernière question. Bah, je veux juste savoir si tu avais des projets de cinéma. De oui, j'écris 2 films, parce que je ne veux pas me retrouver comme après la Bostella, c'est-à-dire avoir rien de prêt. Donc là, j'en écris 2, plus un autoportrait, enfin des trucs, une sorte de show pour Canal+, et puis je vais encore faire l'acteur dans des trucs. Et puis la tournée de théâtre de Cravate Club, et puis je suis le maître du monde, je suis Et puis il y a Lulu, beurré comme un petit lu, qui manipule la caméra comme d'autres ont des tracas au bistrot le soir.